Bonjour, moi c'est Arthur. Aujourd'hui dans Parlons Assurance, je vais vous expliquer en quoi consiste l'assurance vie et surtout en quoi elle peut vous être vraiment utile, utile pour vous. En effet, l'assurance vie est une solution d'épargne et de protection pour ses proches, adaptée à tous les profils. Cette solution permet de préparer différents projets. Réaliser un achat immobilier, financer les études de vos enfants, ou tout simplement de transmettre un patrimoine. L'assurance vie vous permet aussi de protéger vos proches en cas de décès. Vous pouvez transmettre votre capital dans des conditions fiscales privilégiées aux bénéficiaires de votre choix. Bénéficiaires que vous pouvez changer à tout moment. Contrairement à ce que l'on entend, l'argent épargné sur une assurance vie n'est pas bloqué. Vous pouvez décider de le récupérer partiellement ou en totalité quand vous le souhaitez. La seule chose à savoir, c'est que vous bénéficiez du régime fiscal le plus favorable au bout de 8 ans. Une autre particularité est que, contrairement à de nombreux placements, l'assurance vie est une solution d'épargne déplafonnée. Vous pouvez y verser autant d'argent que vous le désirez. Et l'alimenter comme vous le voulez, soit en effectuant des versements ponctuels, soit en choisissant d'effectuer des versements programmés à une fréquence choisie, par exemple chaque mois, chaque trimestre, semestre ou année, avec la possibilité de les suspendre à tout moment. Et comme je disais, l'assurance vie convient à tous, aussi bien aux plus prudents qu'aux plus audacieux. C'est vous qui choisissez votre stratégie en fonction de votre situation personnelle et des risques que vous êtes prêt à prendre. Vous pouvez accéder au fonds en euros, qui vous offre une garantie en capital à tout moment, et à des unités de compte pour diversifier votre épargne. Les unités de compte vous permettent d'investir sur les marchés financiers ou immobiliers. Elles ne sont pas garanties en capital, ce qui veut dire que leur valeur peut varier à la hausse comme à la baisse. En contrepartie, elles vous offrent des perspectives de gains plus élevées que le fonds en euros. Enfin, parce que valoriser votre épargne, c'est bien, mais le faire en accord avec vos valeurs, c'est encore mieux. Sachez que vous avez accès à des supports d'investissement socialement responsables ou encore solidaires. Mais si vous n'y connaissez rien ou que vous n'avez pas le temps, rassurez-vous. Vous pouvez confier la gestion de votre épargne à des experts ou utiliser des services inclus dans votre contrat qui vont vous faciliter la vie. Ça devient tentant, n'est-ce pas? Pour sauter le pas, rien de plus simple. Vous devez souscrire un contrat par l'intermédiaire des banques du groupe Crédit du Nord et réaliser un premier versement. Il vous reste des questions? Contactez votre conseiller bancaire.